Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver sur Pokémon Écarlate pour continuer notre aventure. Donc on va continuer à enchaîner les petites arènes. Alors je voulais vous montrer un petit peu la page d'accueil, mais je ne savais plus si c'était aussi long. Donc non, on sait où on va aller à cette arène. Qui est une insecte. Du coup, j'ai qui? J'ai Colossinge. On va prendre l'oseille. Ou est-ce que je garde Colossinge? Ouais, je peux garder Colossinge, ouais. Je pense pas qu'ils seront très élevés en termes de niveau. Si c'est leur brouille, on essaiera de changer. C'est pas très grave. Allez, c'est parti! Et les beaux titis qui se réveillent. Menzi! Ça se passe bien, ton tour des arènes? T'es où là? Ça va, je suis pas loin. Attends, wesh toi. Ah, te voilà. T'as déjà deux badges, t'avais 10. Et t'as donc choisi cette arène pour la troisième. Je pense que tu devrais y arriver sans problème, mais... Tu dois être certaine. Je veux en être certaine. Alors battons-nous, ça te servira d'entraînement en plus. Bonne idée. Eh ben, t'as l'air motivé. Bon, c'est décidé. Allons sur le terrain de combat. Tu me conseilles, avant d'attaquer une arène, voir à quoi ressemble le terrain de combat de la ville. Ça t'aide de savoir où il est situé, sur quel type de sol il a été battu pour adapter ta stratégie. Aucun rapport, mais je le vois tout de suite à ton regard, tu progresses à vue. Peut-être il est temps que je te présente certains de mes meilleurs Pokémon. T'es prêt? C'est maintenant qu'on va se battre. Allez, c'est parti. Faisons de ce combat une belle expérience. Allez. Parfait. Le compagnon te servira d'entraînement pour ta prochaine arène. Donne tout ce que tu as. Bah oui, c'est dans les 20, ça va. Hein. Tu es chaud de capacité, tu t'améliores de jour en jour. Non, pas mon Pokéré. Il me semble, si j'ai pas de bêtises, que lui il est statique, c'est pour ça que je vais faire cette attaque là. Bon bah, dans tous les cas, il me paralyse. Ok. Dommage. Défense spéciale, ça tombe bien, je tape pas dessus. Et c'est parti! Colabello, t'as pas gagné. Je vais reprendre le combat avec le prochain avocat. Très bien.
Vas-y, t'as une ampleur que ça, maintenant on va se battre à égalité. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de voir si j'arrive à l'attaquer à la prochaine attaque, sinon je change. Sinon je change. Pas assez. Peut-être un mauvais choix que je viens de faire aussi. Hein. Ouais, peut-être du switch sur Gigancel et ensuite. Alors. Bon, ça va. Il tank. Amacelle qui veut. Oh! Pas Gigursen, mais Amacelle. Bon, bah, on va lui apprendre, hein, à place de coup de boule. Ah là, je vous dis, hein, ça commence à être le 7 cancer. Mais c'est son 7 qui. Il veut tant de succès. On était compensé en salle meilleure de jour en jour. Eh oui! Eh oui. T'as vraiment que deux badges arènes? C'est pas comme si t'en avais plus. Quoi qu'il en soit, c'était un combat très instructif, tu sais. Alors tiens, prends ça. C'est un cadeau pour toi aussi. Prends tout à soin. Pour être honnête, j'ai envie de recommencer. Mais je suis maîtresse. Il faut pas que je sois égoïste. Alors je t'attendrai. Collecter d'autres badges, on se battra encore une fois si on se recroise près d'une arène. Ouais. Il y a quoi de se devoir pour devenir encore plus sûr. Ça me ferait trop plaisir qu'on ait plein de combats ensemble. Merci en tout cas et bonne chance pour ton examen d'âne. Let's go. Allez, c'est parti. Bienvenue à l'arène de Severo. Bien, si cela ne vous dérange pas, je vais tout d'abord vous inscrire. Voilà, c'est bien ça, c'est bien noté. Désolé hein, pour le petit bâillement, mais. Pas fatigué. Vous devez d'abord réussir l'examen d'arène avant de pouvoir affronter la championne Hera. Et dans notre année, l'épreuve consiste à participer au rouleau. Vous voyez, Nadil est réputé pour sa production d'olives de qualité. Cela fait plusieurs générations que nous organisons la fête de l'olive, afin de nous attirer de bonnes récoltes. Pour réussir l'examen, vous devez pousser un ballon en forme d'olive jusqu'à la ligne d'arrivée. Si vous y parvenez, ce sera de bon augure pour récolter pour les récoltes de l'année prochaine. Bien sûr, le personnel sur place va se faire un plaisir de vous fournir des explications plus détaillées. La place Roulolive se trouve au dehors de la ville. Je l'ajoute sur votre carte. Belle roulade. Ouais, belle roulade.
Allez, on y va. Si vous souhaitez participer au Hololive, c'est pas ici que ça se passe. C'est une épreuve physique où il faut pousser un ballon géant qui ressemble à une olive. Si vous arrivez à guider le ballon jusqu'au panier arrivé, tout en franchissant des obstacles sur votre route, vous avez réussi l'examen. Voilà, vous savez tout, vous êtes prêt. Oui, on va passer l'examen. Parfait, pendant que vous poussez le ballon, pensez à nous souhaiter une belle récolte. Mais oui, vous aurez une bonne récolte, vous inquiétez pas. Petit stade, du coup, se transforme en autre chose. J'essaie de voir si je peux refaire la technique. Non, je me suis foiré. Oh. Allez. Est-ce que c'est là, lui? Voilà. On esquive les endroits, on va plus vite. Grâce à vous, nous aurons d'excellentes récoltes l'année prochaine, c'est certain. Considérez votre examen comme réussi, toutes les félicitations. Vous pouvez retourner à la réception de la reine pour les informer de votre réussite. Et surtout, bon courage face à la championne. Ah bah, c'est parti. Oh, regardez pas tous ces petits Pokémon! Qui sont bio? Tiens, loulou, là. Petit Pokémon fait, là. Allez, c'est parti. On sauvegarde. Et on va affronter la dresseuse. Oui, je souhaite rencontrer. Oh, la partie de pierre! Allez, c'est le moment de vaincre Hera. En ce cas, oui, monsieur, on va aller jusqu'à l'arène de combat. Mange à ta faim, surtout, mon petit Prismignon d'amour.
Tiens, mais quelle dresseur! À l'allure ravissante, nous avons là. Merci beaucoup d'avoir participé au Roll Olive. Ta technique est impeccable. Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Monsieur Aran, la chef pâtissière de l'établissement Pâtissambleu. Ouais, excuse-moi, c'est vrai que nous ne sommes pas dans ma boulangerie là. Ah si, désolé, je patauge un peu dans le caramel. Laisse-moi recommencer, je suis la championne de cette arène. C'est ce que je veux. C'est que je passe davantage de temps à faire des gâteaux à la pâtisserie qu'à me battre ici. Pour moi, les gâteaux, c'est un peu comme les Pokémon insectes qui se cachent parmi les plantes. Ils sont tout petits. Ils sont petits, mais enfin, ma grand pouvoir, et en l'occurrence, celui de me rendre. Alors, j'espère que tu aimes le sucre et que tu n'as pas peur des piqûres d'insectes. Alors qu'ici, tu vas avoir droit aux deux à la fois. Ah. Je n'ai pas mes Pokémon insectes si tu veux pas que les tiennes se pâtissent. Double pied. On change pas de poké. Tu brouilles plutôt bien, mais je vais devoir mettre les bouchées doubles. Oh. Sors de ta chrysalide, dévoile toute ta splendeur. Il est trop mignon! N'est-il dire ça? Ah! Deux, c'est pas ouf! Da-da-da-da-da-tam. Non, t'as pas vu que même sur le bout du rouleau, à pâtisserie. C'est incroyable, ta force n'a pas cessé de gonfler comme un bon soufflé au four. Je crois que moi aussi j'aurais bien besoin de développer mes techniques de combat. En tout cas, c'est encore un succès pour toi, hein. J'ai bien joué. Voici le badge d'arène qui te permettra de prouver que tu m'as battu. Et tu sais ce qui me rendrait cette victoire encore plus délicieuse? La savourer avec une de mes spécialités pâtissières. Et c'est quoi ta spécialité pâtissière? Le cupcake. Très bien. Il est gourmand. Ouais, alors tu as 3 badges maintenant. Désormais, tu peux attraper des Pokémon jusqu'au niveau 35 plus facilement. Ils t'oublieront. Je sais que tu as l'appétit vorace. Voici une CD portée. Et qui est sortie. Bon.
Baisse la vitesse. Là, je ne sais pas si tu es au courant, mais grâce à la machine SCT, tu peux recréer les CT que tu as obtenus durant tes aventures. J'espère qu'avec ça, le chemin te reste, qu'il te reste à parcourir sera un peu plus doux et savoureux. À la prochaine fois. Bon ben voilà. Hein. La troisième arène. L'arène de petit psy, je vais pas la faire tout de suite. Excuse-moi. J'ai cité ta victoire dans l'arène tout à l'heure. Pas vrai, n'est-ce pas? Tu cherches à te le remettre, toi aussi, oui. Ça fait plaisir à entendre. Tu as un talent rare pour tourner, je n'ai pas peur de viser plus haut. De grandes choses t'attendent. Pardon, je réalise que je me suis pas présenté. Je m'appelle Alizma. Je suis président de la Ligue Pokémon et je gère aussi. Je fais aussi les sélections de l'arène. Puisque tu rassembles les badges, je pense que nous serons amenés à nous revoir. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Juste regarder quelque chose, les amis. Non. Ok, bon ben alors, pourquoi j'ai pas fait l'arène psy? Parce que de souvenir, les Pokémon sont bien plus élevés que les miens. Oh, il y a un petit ferro-singe là. Pour aller voir virtuellement en shiny, mais bon. Pas maintenant. Maintenant, pas maintenant. On peut toujours essayer d'aller voir. Éventuellement, si on peut choper le dominant. Tu vois, déjà s'y avancer pour voir si on peut passer certains endroits. Ça va pas être de tout repos. Il va falloir aussi bientôt faire évoluer le dernier Pokémon. Et toi, nouveau, c'est ça, j'ai déjà vu à l'école. Eric, l'étudiant. On dirait que je viens de traverser une tempête. Donc là, vous pouvez aller capturer votre petit ferro-singe. Qui sera plutôt assez puissant. T'as déjà vu les faisceaux de lumière, toi? Ils sont si brillants qu'on peut les voir de très loin. Georgia, l'étudiante. Polichombre. Je sais pas. Non, je pense pas que ça puisse l'atteindre. Équipe. Amessel. Pas le toucher avec quoi au singe.
Tu m'as ébloui. Voilà. Ça c'est beau ça. C'est ce qu'on aime ça. C'est quoi l'attaque? Zénith. C'est pas mal, c'est pas mal. On y arrive, quand même, hein. Pas vraiment. On va refaire un petit combat. Ah, on va s'arrêter au centre poké. Et je vais du poké stop. Tu veux pas me passer. Tu veux pas me laisser une place de Pokémonture? Non, je ferai pas de classe. Désolé, Paco. Méga sensu, let's go! Viens récupérer des points de vie, t'as raison. Ah. Désolé, je crois que je me suis un peu emporté. Alors, en tout cas, tu m'as empoisonné, oui. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous soignons vos Pokémon. Vos Pokémon ont l'air d'être fatigués. Est-ce que je peux s'occuper de vous? Oui. Merci d'avoir entendu, votre équipe a retrouvé la santé. À bientôt. Bon, on avance tout doucement à notre petite zone. Je sais pas si je vais pouvoir y aller, j'espère. Je crois que oui. Hein. Donc voilà, prochainement, on essaiera d'aller voir le Pokémon dominant. Donc voilà, les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine aventure sur Pokémon Écarlate. Allez, salut à tous, les amis.